Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons au parc des expositions de Bordeaux-Lac pour un événement exceptionnel, Vinexpo. Et venez, c'est par là que ça se passe. Et j'ai hâte de rentrer parce qu'il fait aujourd'hui 40 degrés et dedans il y a la clim et du bon vin. Hier on est venu, c'était dimanche et on a fait du repérage. On a travaillé dur pour vous toute la journée. Par contre il y avait beaucoup moins de monde, c'est vrai, c'était dimanche, les gens voulaient aller à la plage et c'était plus agréable. Là déjà, il y a plus de monde, on se fait alpaguer dans tous les sens. Mais c'est ça, c'est la folie de Vinexpo. Il y a du monde partout, il y a des affaires, il y a du contact, il y a de la rencontre. Et c'est ça la beauté de ce salon. Donc, caractéristiques techniques du salon. La première édition s'est déroulée en 1981. C'est toutes les années impaires. Cette année, c'est la 19e édition. Et maintenant, il va y avoir des Vinexpo à Tokyo, à New York, à Hong Kong. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment rencontrer les acteurs professionnels du vin pour faire du contact. Et nous, le don à Bordelais, on adore ça, les contacts chaleureux. Et une fois, on peut voir qu'à l'essence, c'est pas du tout les mêmes moyens. Il y a des gros châteaux, il y a des petits domaines. Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de moyens. Là, il y en a au moins pour 90 000 euros le stand. Hein. Au moins. Et aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'on a déniché. Très belle cravate, monsieur. Bonne journée à vous, bon salon. C'est une cravate bio. Bonjour, monsieur. On aurait besoin de 2 verres, s'il vous plaît. Preuve que les vins bio marchent. C'est le stand où il y a le plus de monde actuellement. Alors, j'espère que ça vaut le coup, moi, parce que bon, hein, bio, quand même, ne veut pas forcément dire bon. Faut le savoir. Donc, nous sommes avec Rémi. Rémi, on les aime bien. Si j'aime beaucoup le nom Château de Caux, c'est quand même une petite référence historique au Malbec. Donc, Rémi, peux-tu nous présenter rapidement ton château, ton vignoble, en quelques mots? Ouais, c'est une propriété familiale. Donc, on fait partie des précurseurs en bio dans les Côtes-de-Bourg. Et on a 2 cuvées, cuvée tradition et cuvée prestige. Et il y a toujours un gros pourcentage de Malbec du fait du nom Château de Côte, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Combien d'hectares juste? 20 hectares. 20 hectares, très bien. Merci beaucoup et bon courage, très bon salon. Donc nous voici en fin d'après-midi, nous sommes chez un incontournable des vins d'Alsace, Marcel Deys. Vous êtes en biodynamie, c'est ça? Biodynamie depuis 20 ans cette année, depuis 97. La biodynamie, c'est le moyen pour rester peut-être le plus proche du terroir, le plus proche de la nature, comprendre le mieux ce qui se passe et essayer de trouver des solutions logiques, presque maternelles, au développement de la plante et de la vigne. Voilà, on est juste des passeurs. Nous, on est là pour aider la vigne à exprimer ce paysage très particulier qu'on ne peut pas décrire, qu'on peut pas voir. Elle, la racine, elle nous le met en bouteille. Ça, c'était beau, ça. Donc, si je résume le vin de Marcel Deys, donc c'est un joli vin élégant et de terroir. Merci beaucoup, Marie-Hélène, encore. Avec plaisir. On va venir en Alsace, promis. Donc maintenant, remettant l'église au centre du village, je suis chez le château Le Puy. Qu'est-ce qui fait surtout la caractéristique du château Le Puy? On est en biodynamie depuis toujours, donc avec des méthodes de production tout à fait en accord avec la nature. On essaye d'accompagner la nature plutôt que de combattre la nature. Ça donne forcément des vins de très haut niveau et qui sont excellents. Ça donne des vins totalement différents, donc des assemblages toujours à majorité de Merlot, mais des vins qui se conservent très bien dans le temps. Le nez est magnifique, hein. Au premier nez, c'est très figue. C'est assez étonnant. On a des fruits rouges qui viennent après. Et après, vraiment un côté très, très épicé. Un vrai nectar. Merci beaucoup, Emeline. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Nous sommes ici en Italie, chez la maison Gaïa, qui a 3 bodegas. On va vous présenter quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le Barbaresco de chez Gaïa. C'est une petite appellation de 94 hectares dans la région d'Alba. Donc, c'est dans le Piémont italien. C'est en gros au sud-ouest de Turin. 100% Nebbiolo. Regardez, hein, le Nebbiolo, donc c'est un cépage typiquement italien qui a une robe très tuilée dès sa jeunesse, qui est assez atypique et qui, on va dire en France, se rapproche le plus du Pinot Noir. Donc en bouche, la bouche est encore très très tannique, mais c'est des tanins très soyeux, très doux. Et le vin vient par spasme en fait, il a une très très grande longueur en bouche. On trouve ça chez le caviste en France vraiment à partir de 180 euros la bouteille. À goûter, 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 goûter. Donc je suis en compagnie d'Amon qui vient d'Inde et j'ai quelques questions à lui poser parce que ça me semble intéressant, c'est la première fois qu'on voit des Indiens à Vinexpo. So I have a few questions for you, Amon. So why did you come in Vinexpo? Why did you interest in wine and all this culture is very European? So we have a company called Brinco, which is the largest importer of wines in India, and we have also about 15 wine shops. So we have come to meet all our suppliers from across the world. And Vinexpo represents a forum for us where we can meet all our suppliers under one roof. Okay, and that the wine market in India now is growing and Indian people start to drink wine? The culture is growing slowly. You know, India is a very young wine country. Mm-hmm. We have been drinking wine for only 15 years, but it's growing gradually. Thank you very much, Amon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première partie vous a plu. La suite très très bientôt. Restez connectés. Allez, ciao!